Le jeu vidéo, sur lequel la censure n'a pas de prise, est un formidable réservoir d'images gore. Bienvenue dans l'enfer des consoles. En 1984, dans Castle Wolfenstein, on se contente de tuer des petits bonshommes en forme de bâtonnet et quand ils meurent, le petit bâtonnet tombe. Pas vraiment gore. En 1986, on assiste enfin à la première scène d'anthologie, la décapitation de Barbarian. Si Mortal Kombat essaie de faire passer les gerbes vertes pour du sang, Wolfenstein 3D accumule les détails gore. Après Wolfenstein, Doom reprend le principe de l'armement évolutif. On commence avec un revolver et on se retrouve dans un remake de Massacre à la tronçonneuse. Depuis le succès de ces jeux, tous les éditeurs multiplient les séquences gore dans les jeux d'action, de baston ou d'aventure. Dans les jeux d'action style Doom, les tripes giclent, les têtes volent pour le plus grand plaisir des joueurs en réseau. Parmi les derniers nés, le terrifiant Half-Life, situé dans un labo secret où une expérience tourne mal. Pour les jeux de baston, façon Tekken 3, les coups sont de plus en plus violents et réalistes. Thrill Kill, qui ne sortira pas en France, est bourré de héros sadomaso dans une ambiance glauquissime. Et dans Mortal Kombat, le gore est au service de la dérision et de l'humour. Un bon exemple avec ses liftings côté pile et côté face. Le jeu d'aventure est plus dérangeant. Ainsi, Roberta Williams, connue pour des titres comme King Quest, est l'auteur de Phantasmagoria. L'action a lieu dans un manoir et le joueur déclenche en progressant une série de séquences filmées. Phantasmagoria 2 va encore plus loin et mélange sexe et gore. Sanitarium plonge le joueur dans une atmosphère des plus macabres. Le cinéma gore a eu son heure de gloire. Le jeu offre des cauchemars encore plus définitifs. Où c'est? Je la trouve pas, Sarah, je la trouve pas. Je la trouve pas. Le jeu vidéo paie son tribut au cinéma avec Resident Evil, sans doute le meilleur film gore des années 90. Oui, on a bien dit film. Resident Evil, c'est la nuit des morts-vivants puissance 100, car interactif. Ultime pirouette, George Romero, réalisateur culte de la nuit des morts-vivants et de zombies, prépare l'adaptation ciné de Resident Evil.